Et hoyo minasan, c'est Gajo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'épisode 135, donc le 136. Donc voilà, donc là j'étais en chargement pour entrer dans le sous-marin. Donc voilà la suite de cette aventure. Donc voilà. Donc allez, bon visionnage. Nous voici dans ce véhicule. Vous avez la bobine de refroidissement? Ah, Yusu, Yusu. Et maintenant, il faut le combustible nucléaire. Où est-ce que vous comptez trouver ça? Ah, ça, c'est la bonne question. Il y a 200 ans, j'ai reçu ordre de lancement pour tous les missiles balistiques du Yangtze. J'ai obéi. Pendant 200 ans, je vis avec grande culpabilité dans mon cœur. Honte. Tout ce feu. Ces explosions. Mais un missile a pas marché. Vous devez descendre, prendre l'ogive et me l'apporter. Je m'en occupe. Bravo. Bon état d'esprit. Pendant que vous allez prendre l'ogive, je prépare le réacteur. Mais attention! Danger! Wishan! Ancien équipage. Il est toujours là-dessous. Pas ok comme leur capitaine, non. Pire. Ils me font pas de mal à moi. Mais vous, ils vont vous tuer. Je peux pas les tuer. C'est toujours mon équipage. Ma famille. Jaren. Nous tous. Mais il faut faire ce qu'il faut faire. En gros, il me demande de tuer ces soldats qui sont devenus fous, c'est ça? Si j'ai bien compris. Il y a sûrement un terminal quelque part. Thank you.
grand pour un navire, on va dire. Il y a de la place quand même. Hein. Ça y est. Je pensais qu'il faudra que je fasse du linge, moi. C'est le mec. Qu'est-ce que c'est pas là? Bonjour. Hello. Ok. Je crois que ça va ouvrir ça à côté, je crois. Génial. Quelques trucs pour lance-flamme, tiens. Oh, juste améliorer la buse. Bon, c'est pas très moyen, mais bon, c'est déjà ça. Changer avec Ada, je lui mets des trucs sur elle. Attention. Oui, bien sûr. Jetez donc un œil. Ça y est. Appelez-moi maître de la serrure.
Voilà l'ogive. Tout bien passé avec l'ogive ? Oui ? Qu'est-ce que vous allez faire avec les autres missiles ? Rien. Je vais rien faire du tout. Aucun plan. Trop petit. Missile tactique. Sert à rien, ça. Nouvelle mission. Allez dans le réacteur. Prenez la bobine de refroidissement. Et aussi l'ogive. En premier, mettez la bobine de refroidissement. Doucement, hein ? Faut faire attention. Ciao, Chin. Après, mettez l'ogive dans le réacteur. Moi, je regarde les jauges d'énergie dans la salle de commande. Mettez pas l'ogive en premier, hein ? D'accord ? Si vous faites ça, Si Wong, mort. Vous et moi, mort. Ok. Megafer, t'as fait l'erreur supérieure. il met l'ogive en premier. Capitaine Zhao. J'étais pas sûr que grand et beau Yang Tse pouvait tenir. Mais bravo. Mission réussie. Amérique. Pays du capitalisme. C'est toujours service contre paiement. Mais je propose notre façon à nous, plutôt. Service contre service. Prenez ces... transpondeurs. Ils font balise de visée pour les missiles qui sont encore sur le Yang Tse. Missiles tactiques. Petite ogive. Mais quand même, quand ils arrivent, faut pas traîner. Lancez le transpondeur pour activer. Comme une grenade. Après, attendez et baoza ! Gros feu d'artifice du nouvel an. Je vous souhaite un bon voyage. Beaucoup de merci. Tellement pressé de revoir Ma Zhuangguo. Je vais partir sous la mer. Vous, vous retournez sur la terre. Adieu, camarade capitaliste. Général Zhang avait dit « Tous les Américains sont des salauds mangeurs d'enfants. » Zhao dit « C'est pas vrai. » Transporteur, ok. He's good. En fait, c'était un brave type, hein. C'est une goule mangée, servait. Je sais que je suis très mauvais terme avec ces créatures. Mais dans l'ensemble, c'est pas des mauvais pougres. Pas, enfin, certains. Certains, ils sont vraiment ramollis du cerveau, mais... ils sont gentils. Ok. Ok. La rade, mais what the fuck, guys? My god! Un radic. Le port, il pensait qu'il y avait une créature sous-marine. Je vais pas cramer, pourquoi je tombe dans l'eau moi? Votre
Oh putain, mais t'as des démons de la rouille. Parfait. Les cons. Oh my god. Donnie. Alors, vous lui avez explosé la tête? J'ai rien entendu. C'est un sous-marin, petit. Pas un monstre. C'est vrai? Oh, c'est nul. Il se passe jamais rien d'intéressant ici. Nul? Je sais pas. Pour moi, c'est un sous-marin, quoi, bordel. Bon, certes, j'aurais été pas contre une créature sous-marine. Qui essaie de me bouffer, mais bon. Ça aurait été marrant. Marrant, très très marrant. Enfin, du moins, ça aurait été épique. Oui. Je sais pas où ça va mener, ça. J'ai envie de me regarder, hein. Ok, ça. Là, ok, d'accord. Il y avait juste une. Et là, il y en a trois. Ah putain, le bras. Vous mouillez. Soit les créatures. Savoir comment il est arrivé là ce navire. Un bruit. Non. Fuck you. Reviens là toi, enfoiré. Allez, t'as mal à la tête. Tiens, mange la tête. Ok, d'accord. Et voilà.
dit ça. Sur Fallout 4, parce que je pense que j'ai dépassé un certain quota. Donc là, ça va être la partie 2, je pense. Ça va être la partie 2. De mourir. Quoi alors? Bon, après que j'ai descendu ce canard de maître qui fait un mi-temps derrière là. Là. Après, t'es facilité. Squishy, hein. C'est là, hein. Moi je dis, je suis en bonne position là, donc voilà, donc je vous dis à plus tard pour un autre épisode sur Fallout 4, donc voilà, c'était Gunshow, bye bye.